God, you're a faithful God. You're the Most High God. You're the Great I Am. And I thank you, Lord God, for giving us this chance, Lord God, to come and to worship you this morning, Lord God.
We give your name glory and honor because you're an awesome God. You're a faithful God. And we thank you, Father God, for allowing us to be here in this place, Lord God. We know there's many people in this world who are in fear in this moment, Father God, and don't know who you are, Lord God, but we know who you are. You're an awesome God who will never leave us alone, and you're with us in this moment, Lord God. We thank you for that. Thank you, Father God, for your grace. And thank you for this service that's starting, Lord God. We pray that you please be with the director, Lord God. Please be with the preacher, Lord God. Please be with the musicians, Lord God, and the technicians, Lord God, the ushers, Lord God. Every member who is here, Father God, I pray that you please be with all of us who are here, Lord God. The visitors are in your hands, Lord God. Cover us. And those, Father God, who are not here in this moment, who are watching on TV, Lord God, I pray that you please be with them as well, Lord God. Cover us all, Father God, so your presence can be felt throughout this world, Lord God. We thank you and we praise you and we magnify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père quotidien. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis en tentation, mais délivre-nous de nos malins. Car c'est à toi, Pacatel, le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Entendons debout nos balles. Li Psalm 121. I'm li en anglais premièrement in the NLT version. Après ça, n'ap li en français alternativement. Am connaissons un psaume tout monde connaît, sometimes they nous dit rapide. So n'ap di li n'ap prend sans nous pour attendre moyo pour nous ca they can really penetrate into our hearts. All right. Psalm 121. I look up to the mountains. Does my help come from there? My help comes from the Lord, who made heaven and earth. He will not let you stumble. The one who watches over you will not slumber. Indeed, he watches over Israel, never slumbers or sleeps. The Lord himself watches over you. The Lord stands beside you as your protective shade. The sun will not harm you by day, nor the moon at night. The Lord keeps you from all harm and watches over your life. The Lord keeps watch over you as you come and go, both now and forevermore. Amen. The word of the Lord. Psalm 121. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui garde ne sommeillera point. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton monde à ta main droite. Ensemble. Pendant le jour, le soleil ne frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, de maintenant et à jamais. Amen. You don't want to. But you can say something nice about the person who's sitting next to you. Tell them that you're happy to see them today. Di ou bagay positif de moun ki chita bo kote ou la. Encourage el normalement ça. Thank you.
commencer avec la jeunesse et jeunes adultes dans plusieurs morceaux.
bon moment passé, c'est la moins avant, puis belle parole moins tendée, sauté dans la bouche, chaque fois m'poché, puis poué, vie moins activée, avec mes houleurs touchées, tout bagage changé. Moins blé, fait un seul avec vous. Moins blé, vive avec pendant toute vie, moins. Pas blé, passer un moment sans vous. Ou fait mien, ou fait mal, mettez avec. Tout vie moins, pas
Nous disons bonjour, merci pour les jeunes adultes avec la jeunesse qui chantait pour nous. On a demandé pour nous, on a toujours prié pour maestro groupe Sayo pour que je continue de travailler avec eux. Kounia, nous voulons passer avec révérend docteur pasteur Francis Pierre dans les annonces et les mots de bienvenue. La paix à Dieu, chers vous tous. Bon, nous disons merci à Dieu pour ce cadeau qu'il nous fait d'être ici ce matin malgré les problèmes que confronte ce monde, notre monde. Mais nous sommes ici pour adorer et le Seigneur malgré tout. Nous sommes certains qu'il est là et son devoir, c'est de nous protéger et malgré les circonstances. J'aimerais que l'Église sache que la Bible nous dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Et la maladie est une de nos ennemis. Bon, conséquemment, nous savons que le coronavirus fait rage dans le monde, mais nous savons que nous servons un Dieu protecteur. J'aimerais que l'Église place sa confiance en Dieu. Espère en Dieu malgré les circonstances. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde parce que nous sommes étrangers et passagers sur la terre. Nous sommes en train de passer sur cette terre. Conséquemment, notre cité à nous est dans les cieux. Nous sommes vivants ou pas, nous sommes en pour Dieu et nous sommes à Dieu malgré les circonstances. J'aimerais que l'Église arrive à n'avoir pas peur. Il faut prendre des précautions. Mais vous ne devez pas avoir peur parce que Dieu est avec nous. Dieu nous protège. Mais nous allons respecter les lois. Ce que la loi dit, nous devons le faire. Et souvenez-vous bien, il y a la loi de Dieu et il y a la loi humaine. Et de ces deux lois, il y a une loi supérieure. Et la loi supérieure, c'est la loi de Dieu. Et j'aimerais que l'Église sache, et si vous ne comprenez pas, allez lire le livre de Daniel, et vous allez comprendre ce que nous voulons dire. Ces jeunes hommes-là étaient des serviteurs de Dieu. Et ils ont connu des moments difficiles avec la loi du pays où ils étaient esclaves, si vous voulez, parce que on les avait pris de leur propre pays pour les amener à Babylone comme captifs pour travailler là-bas. Et ces jeunes hommes avaient délaissé leur pays avec un Dieu qu'ils servaient. Ils sont arrivés à Babylone malgré des milliers de faux dieux qui existaient à Babylone, conservés à Babylone. Ils avaient pris la décision de servir le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Dieu les avait protégés. Dans la fournaise ardente, Dieu était avec eux. Et dans la fosse au lion, Dieu était avec Daniel. Et conséquemment, j'aimerais que vous sachiez, et la tempête est là, les problèmes sont là, la maladie est là. Ah, mais Dieu est là pour nous protéger. Donc, j'aimerais l'Église arrive à prendre en conscience de ce que Dieu dit et à vivre en paix malgré les problèmes qui contournent ce monde. Et nous savons que cela changera parce que ce n'est pas la première fois qu'on a une maladie qui fait rage dans ce monde. Il y a tant de maladies qui sont déjà passées dans ce monde. Qui ont commis des morts, des milliers de morts et des milliers et des millions, si vous voulez. Mais le monde existe encore et nous vivons dans ce même monde. Bon, nous allons vous dire les annonces, j'aimerais que vous suiviez avec attention. Et tout simplement, cet après-midi, ce soir, nous n'aurons pas de service. Okay? J'aimerais que tout le monde le sache. Et nous n'avons pas de service ce soir. Et dimanche, Dieu voulant, ce que j'aimerais que l'Église sache, je ne veux pas prendre une décision trop brève
Mais ce que j'aimerais faire, c'est de trouver un moyen pour faire connaître, hein, si nous n'allons pas avoir le service ici à l'église en dimanche. Hein, je tâcherai de vous faire savoir. Et puis, tout ce que vous aurez à faire, c'est suivre en YouTube et dimanche, comme, vous, comme maintenant ceux qui ne sont pas présents là, ici à l'église aujourd'hui. Ils m'entendent maintenant à la maison, ils sont en train de suivre le service sur le net. Conséquemment, c'est ce que nous pensons à faire et dimanche qui vient. So, j'espère que Dieu nous aide dans cette affaire parce que moi je place ma confiance en Dieu et je sais qu'il y a dans l'église des gens qui ont vraiment confiance en Dieu, mais il y a de ceux qui sont qui balancent comme ça. Ouais. Ils ont peur quand il y a un problème. Et nous devons les comprendre et agir d'une manière digne de ce que Dieu nous dit de faire. Parce que c'est Dieu que nous servons et nous savons que notre Dieu est avec nous dans les bons comme dans les mauvais jours. So, de ce fait, nous ferons savoir si cela se fera. OK? Nous au cours de la semaine. Et pour ce qui a trait et au service de la semaine, mardi soir nous aurons nos études bibliques. J'aimerais que ceux qui ont l'habitude d'être là et de venir, et nous allons continuer à étudier la parole de Dieu parce que nous n'allons pas à rester trop loin de la parole. Si vous êtes à la maison, vous devez lire votre Bible et puis rester en prière parce que la clé de délivrance, c'est la prière et la lecture de la Bible nous canalise, nous montre le chemin, comment résoudre les problèmes de la vie. Conséquemment, je vous conseille de, s'il n'y a pas service, vous êtes à la maison, ne perdez pas le temps à faire d'autres choses qui n'ont pas de valeur capables de vous aider à avancer, mais lire votre Bible. Vous allez découvrir quelque chose pour votre santé spirituelle. Mardi soir, nous aurons étudié avec mardi soir et mercredi soir, mercredi soir, nous vous attendrons parce que notre service de mercredi, nous n'avons pas à trouver personne à venir. Et nous devons prier. Nous n'allons pas à complètement abandonner l'église parce que ce n'est pas chrétien. Nous ne faisons jamais ça. Malgré les problèmes, malgré les tracas, nous sommes là pour adorer le Seigneur. Nous sommes ici dans le temple pour adorer le Seigneur. Malgré les problèmes. Et cette maladie, c'est vraiment... cette maladie pandémique donne tant de problèmes et nous devons respecter ce que dit la loi. Bon, conséquemment, nous n'allons pas abandonner notre assemblée et complètement parce que Dieu, pour moi, je pense que Dieu ne sera pas content si j'arrive à demander cela à l'assemblée. Et nous n'aurons pas de service pendant toute la semaine, nous n'aurons pas de service dimanche. Nous n'aurons pas de service la semaine prochaine. Est-ce que Dieu sera content? Je pense que Dieu ne sera pas content. OK? But anyway, nous allons prier et laisser Dieu nous diriger. C'est ce que nous allons faire pendant ces jours à venir, peut-être ces semaines, ce sont des mois aussi, tout est entre les mains de Dieu. Comme annonce, nous vous attendrons ici à 6 heures jeudi matin pour prier. Faites tous vos efforts pour être là. Nous encourageons tous ceux qui participent à l'école du dimanche de bien vouloir s'inscrire, qui ne participent pas, de bien vouloir s'inscrire dans une classe. Si vous êtes un membre de l'église, vous n'êtes pas un élève d'une classe quelconque de l'école du dimanche, nous vous invitons à être là pour venir et à participer à une classe pour étudier la parole de Dieu. Et nous invitons tous ceux qui sont membres de l'école du dimanche d'être là à 10 heures du matin, avant 10 heures pour participer à leur classe, parce que votre présence compte beaucoup.
N'oubliez pas aussi d'amener vos enfants aux études bibliques qui se tiennent chaque jeudi soir à 7h. Nous voulons encourager les membres de l'Église à penser à la grande commission où Jésus nous dit dans Matthieu 28, versets 19 et 20, à l'effet de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et il leur avait dit, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lorsqu'on est chrétien, on doit prêcher l'Évangile. On doit encourager ceux qui ne connaissent pas Dieu à chercher ce Dieu capable de bénir, capable de délivrer, et ce Dieu sauveur. J'espère que ceux qui n'avaient pas appris à cœur d'encourager une personne tout près de vous qui ne connaît pas le Seigneur, et puis vous êtes là au travail avec la personne et vous voyez la vie de cette personne, c'est une vie vers l'enfer, et vous êtes là avec la personne des années et vous ne parlez pas à cette personne de Dieu, je vous encourage à le faire parce que Jésus n'est pas trop loin. Un regard dans ce monde en nous montrant que Jésus n'est pas trop loin. Et de ce fait, nous faire l'œuvre évangélique, c'est-à-dire l'évangélisation, encourager les gens à chercher Dieu. L'école biblique d'été aura lieu cette année, et du 3 au 7 août 2020. Le programme que nous devrions avoir et samedi en dernier, et n'avait pas eu lieu, et nous pensons que cela se fera un autre samedi, et nous vous le dirons quand nous aurons à choisir ce samedi pour ce programme. Et nous attendons tous ceux qui avaient participé au cours que nous avions déjà eu avec les nouveaux diacres que nous aurons. Nous aurons ce programme samedi, en 21 mars, à 9h du matin, à l'auditorium de l'Église. J'espère que tous ceux qui étaient là et pendant les deux sessions seront là, et d'autres personnes qui aimeraient apprendre, je vous invite à être là aussi de 9h à 1h de l'après-midi. Et nous sommes certains que vous allez apprendre beaucoup sur le diaconat, sur le service à l'Église, parce que quand vous travaillez pour Dieu, faites le service de Dieu, vous devez savoir le service c'est quoi, pourquoi suis-je à l'Église, dois-je participer à un groupe, dois-je travailler dans l'œuvre de Dieu. On est chrétien, on doit travailler. Et l'apôtre Paul nous dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Lorsqu'on est sauvé, on doit travailler, parce qu'on devient membre de la famille de Dieu, enfant de Dieu, et membre de l'Église de Dieu, l'Église locale, et membre de l'Église universelle, cette Église que Jésus reviendra chercher. Nous débutons maintenant avec nos fêtes de moisson. L'année 2020, les fêtes de moisson en débutent déjà, et nous devrions être à une fête de moisson en dimanche dernier, et nous n'avions pas été, et à cause des difficultés que nous avions eues. Le dimanche 29 mars 2020, l'Association des hommes de l'Église est invitée à participer à la célébration de l'anniversaire de l'Église baptiste et française de New Windsor, New York. Le service débutera à 3h p.m. Elle compte sur votre présence en vue du plein succès de cette fête. Ce même dimanche 29 mars 2020, c'est la fête de moisson à l'Église baptiste haïtienne en Bethesda de New London. Le groupe de prière ira à cette festivité. Le service débutera à 3h p.m. Tous ses membres. La classe catéchumène fonctionne. Ceux qui aimeraient être baptisés sont priés de s'inscrire parce que les inscriptions prendront fin ce mois, le mois de mars. Après ce mois, il n'y a pas
d'inscription, il n'y aura pas d'inscription. Conséquemment, ceux qui aimeraient être baptisés au cours de cette année sont priés de s'inscrire. Mais l'association des dames de l'Église est invitée à diriger le service comme elle fait annuellement à l'Église baptiste de la Nouvelle en Jérusalem au cours de son réveil de Pâques le lundi 6 avril 2020 à 7 h. Supportez-le très fraternellement et Dieu vous le rendra. Notez bien, notre réveil de Pâques débutera le dimanche 5 avril prochain. Préparez-vous envie de rendre hommage à notre Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Notre sujet cette année est Jésus, notre modèle d'obéissance. C'est là que nous, dans le passage que nous trouvons dans Philippiens chapitre 2 et puis du verset 1er jusqu'au verset 13 et notre verset c'est le verset 8 et le verset qui nous dit et Jésus n'a pas regardé comme homme une proie à arracher à Dieu, s'est dépouillé lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus est notre modèle d'obéissance. Il a obéi à son Père malgré tous les problèmes, tous les tracas que le monde de son temps lui avait donné. Jésus est resté conséquent à son Père. Et il a déclaré à maintes fois, ma volonté, il a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire son Papa, son Père, Dieu. Et nous, comme chrétiens, nous devons faire la volonté de Jésus, à lui qui est venu, qui nous a sauvés, et nous devons suivre ses traces. Et nous devons être obéissants. Et nous aimerions que cette année, et nous arrivons à prendre à cœur d'être obéissants et de bien servir Dieu de la même manière que Jésus avait fait. Conséquemment, nous vous attendrons déjà. Nous vous invitons à faire des invitations. Invite les gens à venir afin d'entendre le message de la parole de Dieu. So, vous devez, encore cette année, vous êtes appelés à supporter Télé Évangélique en louange dans son gala annuel qui aura lieu le 11 avril prochain à 6 h 30 p.m. À Sheraton Hotel 700 East Main Street, Stamford, Connecticut. Et nous espérons que vous aviez déjà acheté un ticket. Et Sir Hervé Galliot à l'écart. J'espère que tout le monde, tous les membres de l'Église ont déjà eu une carte pour supporter Télé Évangélique dans ce grand travail que cette station fait. Et spécialement, Frère Noël est un membre de l'Église. Nous devons l'encourager dans ce travail extraordinaire qu'il fait de propager l'Évangile de grâce dans les airs. Alors, conséquemment, nous croyons avoir tout dit. Tout simplement, n'oubliez pas notre programme pour l'Encaster. Toujours est-il, le temps est mauvais, mais le programme tient bon jusqu'à présent. Nous projetons d'être à Pennsylvanie le 29 mai à 7 h et retournerons le samedi 30 mai pour participer où nous allons voir la reine Esther. Ce programme aura lieu au Sight and Sound Theater en Pennsylvania. Nous vous encourageons à être là. Ce sera un moment exceptionnel. Faites tous vos efforts en vue d'y aller. Déjà, nous avons un bus est déjà rempli. Nous avons eu des membres qui ont déjà donné leur nom et la moitié de leur coup de pas est déjà. Et l'autre bus, on a déjà des gens qui ont donné leur nom. Donc, conséquemment, si vous voulez y aller, ne perdez pas de temps parce que mai est tout près.
Et vous allez fermer les yeux, avril, mai. Vous voyez? Donc, si vous voulez y aller, vous allez voir le frère Jean Edner Guéry. Cette année, la fête de Noël sera organisée par l'association de la jeunesse, que la jeunesse se prépare pour la fête de la Noël. Priez pour nos frères et sœurs qui sont en terre natale, afin que Dieu bénisse leur séjour et leur donne l'opportunité de retourner ici, sains et saufs. Priez pour notre chère patrie, afin que cette maladie qui fait rage dans ce monde n'arrive pas à toucher Haïti, parce que nous sommes certains que ce sera un grave avant, parce que nous n'avons pas assez de ressources pour lutter contre cette maladie. Et nous encourageons tout le monde à prier pour Haïti, afin que les dirigeants d'Haïti arrivent à prendre conscience qu'ils sont tous des compatriotes, des Haïtiens. Ils doivent s'entraider, non pas s'entretuer, parce que nous sommes Haïtiens. Donc, priez pour ce pays, afin que Haïti arrive à connaître des jours meilleurs. Le peuple sortira de ces ténèbres et pour vivre en paix dans leurs maisons respectives. Et nous sommes certains que Dieu le fera. Priez pour nos malades, sans oublier notre planète frappée par cette maladie pandémique, le coronavirus. Notez bien, tout ce que nous avons à faire, faisons-le sans murmure. Le reste est entre les mains du Dieu souverain. N'oubliez pas que vous devez faire ce qu'on vous demande de faire, vous devez le faire, afin de ne pas attraper cette maladie. Et comme nous dit tout le monde, clair dans l'église, leur entrée, nous gagnons hand sanitizer devant. Là, make sure que vous portez des mains. Et puis, les services finis, tout va sortir. Fait ça, on voit. Et puis, après, qu'on mette tout en propre. Et puis, veillez mains. Comme tu dis, mon matin, le monde qui était là, nous entendait ça, me dit. Bon, veillez mains. On voit. Et puis, yeux pour veiller tout le temps. Pas mettre mon dans yeux. Pas mettre mon en bouche pour n'importe raison. On voit la vision. C'est ça vous faites. Souvent, mon a toussé. Si mon a toussé, on ne peut pas rentrer en balle. Elle tousse, il y a une propagation qui fait. De nous avoir besoin, vous êtes malade, de nous sentir que nous sommes malades, font tirer loin. Et nous, si vous êtes comme ça. Et puis, après ça, les sont dit, alors, nous ne pouvons pas faire mal élevé, mais il faut comprendre que vous êtes malade, si vous êtes pas le bon mais pas mauvais pour ça. Elle n'est pas obligée de bon en comme chrétien, il a dû faire ça, mais si on a un problème, il est capable de faire ça. Ça ne peut pas dire rien. Mais nous avons besoin de comprendre l'une l'autre. Et puis, nous avons protégé l'autre. Depuis nous avons aimé l'autre, nous avons protégé l'une l'autre. Et bien, vous, mes frères et sœurs, nous avons toujours fait ça. Et puis, quand nous avons la carte propre, nous avons vu tout le côté qui a été mis courbe, nettoyé, faire le nettoyage. Mais n'est pas jouer avec un bail qui est sérieux, parce qu'on n'a pas besoin, de tomber malade. Soit on a toussé, ou on a été pris. Soit on a fait un loin, soit on a toussé. Ça n'a pas un problème. Tout le monde qui est fâché, quittez au fâché. Quittez au fâché, mais vous-même faites ça, vous devez faire. Parce que vous devez protéger la tête, tout le monde. Vous n'avez pas un problème. Moi, je ne suis pas un homme. Bon, je connais pour qui ça va pas bon. Mais si je suis venu, vous ne pouvez pas aller bon. Vous pas besoin. Vous avez tué la tête ou fait bagarre l'aide. Entrer dans le banc, passer dans l'autre porte. Vous avez péché. Plutôt, vous avez péché. Au lieu pour faire bagarre l'aide, ça dit bon, je ne vais pas venir de côté. Nous pas ça c'est pas le chic mais OK dans chic hein on même pas rien on dans ça on mais on nous suspend faire bagarre on nous suspend faire bagarre de non ou dire qu'on pas faire ça ou on monde nous salue oh comment je dis à compter pas et pas rien on dans ça mais tant pour marron on l'en mais on marron pour accolade non on doit pas faire on doit pas faire sans tout bon OK
So, on nous veille ça et pour nous pas décourager une autre pendant mon maladie ça au lieu d'aider et puis c'est dérangé, n'a pas dérangé. Mais nous devons prendre précaution, toute précaution qu'on prend, prendre. Mais si on prend précaution mon fâché, quitter mon non fâché. Nous mais on même prend précaution parce que on va être malade. Nous notre esprit l'église comme ça. So, et puis même nous était assuré que bon Dieu avec nous. Nous c'est petit bon Dieu avec nous. Prier. Et puis, mes chou fait nouvelle. Pourquoi ça va passer dehors? Nous ouvrons la télévision, nous ouvrons le téléphone, nous toujours suivre news, ça va passer. Qui rage maladie à faire? Qui j'en lié bon ici? L'offre fait ça le bon pour nous. Mais on n'a pas besoin de créer un paquet de problèmes pour tête. Parce que, on doit abtirer tête. Et puis, ce n'est pas coronavirus qui est là. Et puis, c'est l'autre maladie qui est là. La paix qui est là. On a tellement de stress. On dit, oui, je ne peux pas sortir. Oui, je ne peux pas manger ça. Je ne sais pas qui est-ce qui fait. Oui, je ne peux pas aller dans un restaurant. Je ne sais pas combien de monde malade qui l'a donné. Oui, je ne peux pas aller dans ma quête. Ça. Peut-être que les gens qui prennent le devant caché pour me payer là, ils ont tous ces enfants. Oui, ils sont là. Oui, pour ne pas manger. Et puis, on a plein de problèmes. On va essayer que mon Dieu vienne nous, que nous vivons pour nous comprendre. Changer un gros bon Dieu qui vient nous, mais ça n'a pas dit que pour qu'on ait un problème non là. Attendez tout le monde, pas comprendre le problème non là, et pour aller peut-être ou pas un problème non, ou dire que c'est chrétien et pas privé. Non, et pas ça me dit non. Ou c'est nécessaire de mettre un masque en figure, mais tout le monde, ah, moi, c'est chrétien, je ne peux pas mettre, mais pas mettre. Sauvez ça, pas prendre pour c'est au plus chrétien parce que tout le monde, et puis vous montrez aux chrétiens, et puis vous prenez un paquet de bagages que même mon Dieu n'est pas d'accord avec vous. Dieu dit précaution, prends précaution. Je viens de débarrasser de l'histoire, tu fais ça, il est tombé dans le trou, il faut son prison, faire noyer la gueule dans le trou pour mourir, et puis bon Dieu fait le jeune moi, il monte, et puis il saute dans le trou. Et puis l'elfe saute dans le trou, et puis il saisit, après qui ont fait sauter le bagage, il dit ah, bon Dieu m'a retiré. Et puis il dit oh là, il dit bonsoir, c'est me calaguer, comment faire bon Dieu retiré. Et puis l'école. Et pourquoi j'aimerais monter Jésus aujourd'hui. So, be careful. Ok? So, nous croyons tout dans le Seigneur pour aujourd'hui. Tout simplement, nous avons demandé pour prendre un petit patience avec nous immédiatement. Après le message, nous avons une série de présentations que nous allons faire. Nous allons vous présenter le petit Nolan France, le gagnant. So, soyez patients et compatissants. Notre verset pour la semaine, m'a lire pour nous, tout le monde t'en dit, extrêmement important, message de la semaine. Tenez ça, et je parle de personne fâchée avec femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, et ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Alors, si vous voulez mettre pour nous pendant ma prière, là, c'est 1 Pierre 3, verset 1 à 6a. Si vous mettez 1 Pierre 3, verset 1 à 6a, pour vous appeler. So, ayez non cette parure extérieure. Là, tout le monde a dit ça. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi, se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari. Virgule. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appela son Seigneur. Chaque temps ça après l'Abraham, il dit Seigneur.
le mets est prêt. Seigneur, l'eau est chaude. Seigneur, le jus est prêt. Tout à l'heure, Seigneur, je dis, ah, que mon Dieu bénisse abondamment. Nous avons ces garçons seulement tout le temps. Qui bagarre, mais fille, tout le travail pour faire. Remet Mario, soumise à Mario, fait que Mario content. Amen. Que mon Dieu bénisse. Bon, nous allons signer visiteur dans l'assemblée, je tiens. Je dis, je ne amen. Moi, je ne pas ça, je ne pas amen. Monsieur, remets madame nous, même Jean Jésus, t'es remé l'église. Et puis Jésus sacrifié pour lui. Ok. So, quand on visite, on a un dame, salut à la gauche, je suis un visiteur. On a un servante qui campe. Hello, everybody. Hello. Ça fait deuxième fois que je visite l'église, hein, mais la première fois que je suis venu, je n'ai pas de place de deux. Je n'ai pas campé comme visiteur, c'est ça que je campé aujourd'hui hein, comme visiteur. Nous sommes bien contents, oui. Ok. Oh, on va aller voir. Madame, obéis à madame, oui, frère. Ça nous saute là. C'est Rinol. Ouais, elle prend un message là. Amen. Si nous bien contents, ouais, nous. Elle prend son bénédiction pour nous. Et que bon Dieu a béni, ou rempli quatre la quitter pour nous. Et nous avons entré en communication avoir pour laisser l'assemblée. Que bon Dieu bénisse abondamment. Amen. Si nous avons visité encore, tout le monde c'est la caille. Et nous comptons tout le monde. Que bon Dieu bénisse tout le monde abondamment. Et nous avons essayé de s'asseoir. Seul ça m'a demandé veillez, priez. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez, que bon Dieu bénisse. Nous dit, pasteur, nous merci pour l'annonce. Je vous demande pour tout le monde qui apprend toute l'annonce à cœur. Kounia, nous allons passer dans la deuxième lecture, nous, qui parle du pasteur Medina Polémon, dans Genèse 2, versets 24 à 25. 1 Samuel 15, verset 22. Je demande pour tout le monde de mettre nous debout pour la deuxième lecture. Là. La paix, bon Dieu, avec nous. Napli, Genèse 2, versets 24 à 25. Vous y êtes? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Verset 25. L'homme et sa femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. N'appelez-le pour en anglais. In the King James Version. Therefore, a man shall leave his father and his mother and shall cleave unto his wife, and they shall become one flesh. Verse 25. They were both naked, the man and his wife, and they were not ashamed. Word of God. Amen. Bal passa avec équipe adoration. Someone
lever les bras nous ensemble. Thank you, Father God, for everything you've done for us. We praise you, we magnify you, O God, for who you are. You are worthy of all praise, glory, and honor. We lift you up in this moment, O God, we worship you, we adore you. Thank you, Father, for this opportunity. Sacerdotale, nous allons chanter 94 créoles chant d'espérance.
Moi, t'as voulu dire où ça Jésus fait pour cœur moi. Encore une fois, on te remercie pour ce cadeau que tu nous fais d'être ici en ce troisième dimanche du troisième mois de l'année. L'année marche très vite et les dangers accourent de tout part, cher Seigneur. Mais où est-il? Nous servons un Dieu puissant, tout puissant, capable de diriger, capable de sauver, capable de pardonner. Un Dieu qui dit et la chose arrive. Et en ce jour béni, nous voici dans ton Saint-Temple, cher Seigneur. Nous avions bravé, cher Seigneur, tous les dangers pour être ici ce matin. Mon Dieu, et en ce midi, cher Seigneur, comment ne pas te chanter, donner gloire en un temps difficile, mon Dieu. Ton peuple doit t'adorer malgré les circonstances. Et nous sommes ici en 7 minutes.
Voici ton église, mon Dieu. L'église baptiste et son celle de Bridgeport, courbée en ta présence, mon Dieu. En ce matin, certains sont venus en très découragés, mon Dieu, pensant à l'avenir, mon Dieu. Ils ont peur peut-être pour certains, mais ce matin, donne-leur de savoir que tu es là, tu es le Dieu protecteur, le Dieu capable, le Dieu qu'on appelle le Dieu Rapha, le Dieu guérisseur, l'éternel qui guérit. Et conséquemment, si nous avons comme Dieu, comment avoir peur, mon Dieu, d'une maladie, parce que tu peux nous guérir. Et de ce Père au Dieu, donne-nous de comprendre comment mener à bien ce projet. Projet de nous protéger, cher Seigneur, nous-mêmes. Avec toi-même, tu vois les efforts, nos efforts, que tu arrives, cher Seigneur, à les combler, parce que c'est toi seul qui peux le faire. Et ce matin, sur l'après-midi, mon Dieu, voici ton peuple, mon Dieu. Parmi nous, il y a de ceux, peut-être, qui sont malades. D'autres cherchent un emploi. Certains, oh Dieu, sont venus emportés par les troubles de la vie. Ils ont besoin de toi. Et puisque, mon Dieu, tu es en ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Papa, donne le repos du cœur, mon Dieu, à tous nos frères et sœurs ici présents. Chasse tout esprit de peur, mon Dieu, et donne-nous de marcher avec assurance, parce que notre délivrance n'est pas entre les mains des docteurs, parce que, cher Seigneur, ils n'ont pas un remède capable de guérir en cette minute. Mais toi, tu es le Dieu capable de dire un mot et la guérison poindra, cher Seigneur. Et de ce fait, comment ne pas t'appeler, comment ne pas t'adorer, comment ne pas te remercier pour ce que tu as fait pour nous. Et si nous sommes en train d'adorer, bénis chaque personne ici présente, grand ou petit, et mon Dieu, couvre-nous, mon Dieu, de tes mains, cher Seigneur, afin que l'ennemi n'ait aucun pouvoir sur nous. Et chasse tout esprit qui n'est pas ton esprit, loin de cette assemblée. Et donne à chaque personne ici présente de savoir qu'elle serve un grand Dieu, cher Seigneur. Et ce Dieu est capable de délivrer. Et alors, mon Dieu, que ces gens arrivent à marcher avec toi comme tu veux, dans le respect, mon Dieu, ta parole, afin que ta vie, mon Dieu, soit en eux, et que eux en toi, comme tu dis, mon Dieu, quand tu étais sur cette terre, eux en nous et nous en eux, en parlant de ton Père et du Saint-Esprit. Et maintenant, cher Seigneur, bénis ce service, bénis la ville de Bridgeport, protège la ville de Bridgeport contre cette maladie, protège l'État de Connecticut, protège les États-Unis d'Amérique, mon Dieu. Le monde entier maintenant a besoin de toi, les pays, mon Dieu, où cette maladie en pandémie, quand en fait ravage, cher Seigneur, que toi-même tu ailles visiter ces pays-là, apportant la paix, apportant la guérison et donnant, mon Dieu, aux scientifiques, mon Dieu, de découvrir, mon Dieu, un remède capable d'apporter un baume de guérison dans ce monde. Et tous ceux qui souffrent à cause du départ déjà de leur famille, de leurs parents, à cause de cette maladie, mon Dieu, que tu les protèges, que tu leur donnes la force de continuer à vivre. Seigneur, Haïti a besoin de toi. Délivre Haïti, mon nom, de ces dangers, de ces problèmes, de ces malheurs, mon Dieu. Donne au peuple haïtien de vivre dans l'amour, dans la paix, dans l'union, mon Dieu, papa, comme de vrais patriotes, cher Seigneur, de vrais confrères, cher Seigneur, qui s'aiment, mon Dieu, qui s'entendent, mon Dieu, pour vivre selon toi, et nous comptons sur toi, mon Dieu. Délivre Haïti de ses détresses. Et mon Dieu, est-ce que tu vas délivrer Haïti, mon Dieu, visitant les autres pays du monde où les gens sans ne peuvent pas manger. Et mon Dieu, ils ont toutes sortes de problèmes. Mon Dieu, ils ont besoin de toi en cette minute. Que toi-même, tu ailles les visiter et apportant la paix, mon Dieu, dans ces pays-là. Donne-leur tout ce dont ils ont besoin afin de reconnaître qu'il y a un Dieu capable de délivrer, capable de venir, capable d'apporter la consolation dans les cœurs affligés. Papa, nous comptons sur toi. Reste avec nous. Bénis ce service. Bénis la dirigeante, bénis la prédicatrice qui aura à nous prêcher tes oracles dans quelques minutes. Que toi-même, tu la remplisses, mon Dieu, afin que le travail qu'elle aura à faire
arrivant à toucher les cœurs assoiffés. Et qu'en sortant d'ici, nous puissions dire, oh, tu nous as parlé, nous allons prendre la décision de marcher selon ta parole. Reste avec nous, bénis le monde et veille sur ce monde. En grâce que nous te demandons, au nom et par la main de Jésus, notre divin sauveur, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Il m'aime ça. Pas pour Satan, bon Dieu mien, j'ai racheté avec son lit, moi pour tes chers, pas pour pillage, ça. Fâché, oui, le fâché, t'es loin, pas pour les tables et web, bas, côté lien, oui, versé sang, des moins payé, Jésus pour moi, et les camper loin, la femme grimace, offrime la jambe, ton bel plaisir, et vraiment comprendre que n'a erreur, plaisir la chair, c'est ça t'en fâché, la loi pas pour lui, les tables et ouais, pas pour tes biens, oui, verser sang, des moins payés, Jésus pour moi. Jésus, oui, c'est la vie tout temps. Ça, ton fâché, oui, le fâché, la loi, pas pour les tables, ouais, pas qu'on gagne, puis verser sang, des moins payés. Ça t'en fâché, mais ouais, pas pour les tables et ouais, pas pour tes liens, oui, fais tes soit l'éternel. On nous dit béni soit l'éternel. Et n'a descend toute main. N'a dit tombe diable. Tombe diable. Tombe diable.
Et levez mes mains, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On nous prie, béni soit l'Éternel. Va boire au sein, on a mérité ça. Bon Dieu bénis nous, mes frères. Sans espérance, mais un jour ma suspense chante mieux.
qualité ça y est, nous avons faction dans le travail, nous demandons au béni le Père. Permettre que lui-même est capable d'aller, côté que nous-mêmes ne voyons pas, nous pas capable d'arriver, mais l'agence va utiliser pour l'évangile capable de prêcher, pour le monde capable de connaître. Non. Béni chaque monde qui te longe, mais dans le panier, et songez ça, Seigneur, qui va bien en rien. Permettre que la prochaine fois, vous capable de réunir ensemble avec nous. Yo va gen ki chò et puis on mette dans panier yo. Nous rive dans moment côté nous pral tan des paroles. Nous mande autant prie. Couvri c'est nous la sœur Medjina Seigneur avec puissance Saint-Esprit ou permettre que li capable prêcher l'évangile avec radiesse et nous même qui vini Seigneur pour vinn tando n'a pas tande ou. Nous mande autant prie déjà illuminer cœur nous Seigneur de manière nous capable comprendre parole ou et pratiquer dans la vie nous. Fais ça pour nos pères. Nous prions avec pardon péché nous. Au nom de Jésus-Christ, les mêmes qu'a vie qu'a régné au siècle des siècles. Amen. Nous allons passer dans plus beau moment de service là que de bon Dieu va parler avec nous. Dimanche jour, nous avons le jeune prédicateur que nous avons préparé pour prêcher. So, comme nous toujours dit, nous avons dit que c'est deux filles qui sont chères avec moi. Ce n'est pas pour nous, ces filles, on choisit seulement. Les garçons, on a donné tout. But, mais nous avons toujours plus intéressé dans les affaires, mon Dieu, que les garçons. Comme moi, je vous dis, si pas d'un garçon du tout, je vais mettre les filles jusqu'à ce que Jésus tourne. Maintenant, parce que tu me dis ça, je ne sais pas si je suis fâché, mais je me dis que les garçons ont une tendance, je ne sais pas. Ils peuvent tout le bagaille, ils sont marrons. Et puis, des fois, par contre, ça, ils sont sentis aux gros garçons. Et puis, Fio, je marche sur eux. Et puis, les regardés, ils étaient campés là avec Fio. Et puis, ils sont still campés là, et puis, ils regardaient Fio qui était ouvert porte. Fiogé t'en prend, fait fin l'avenue, et bien mieux style là. Ça y'a pas voulu progresser. So, ça fait jeudi à nous content, nous gagnons ce Scarlett, nous. Est-ce que nous pas content, ce Scarlett a dirigé là? Est-ce que nous pas bénis, mes frères? Bon, qu'on y a, nous pral prensant, nous pour chita pour nous tenter. Parce que nous toujours gagnons le même programme annuel, nous, hein? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais je dis à nous gagner, il y a une nouvelle, tout à fait nouvelle prédicatrice, qui est neuve dans la classe là. Et je dis à c'est lui-même, bon Dieu, je t'ai dévolu pour qu'à prêcher. Et ne pas comprendre, obéissance vaut mieux que sacrifice, mais moi, je vois nous dans la jeunesse. Nous parler pour nous recevoir un message là. Nous parler. C'est avec cœur content, avec joie que m'apprécier ça, et me sentir par contre ça me dit hein, parce que on est dans classe là nous préparer puis nous tendre tout le monde pour nous faire camper prêcher puis tout le monde dans la classe l'autre élève a dit mais ça fait pas bon, mais ça fait pas bon, mais ça pour ranger, mais ça pour pas ranger. Et les sœurs Medjina ont fait présenter le message. La classe a été émerveillée. Ça a été content. Et nous avons dit, bon, mais ça c'est au capriché le troisième dimanche mois passé. Mais à cause du travail, il n'y a pas de son miracle, bon Dieu fait pour là, je dis. Est-ce que nous ne sommes pas contents, mes frères et sœurs? Bon, c'est avec cœur content que je vais présenter sœur Medjina Paulemont dans le message de la parole de Dieu. Bye bonjour Flamme, bye bonjour Flamme. Nous couper nous pour un coup de prière. Seigneur Père Saint, nous te remercions pour tes grâces et miséricorde de ce que tu permets que nous là matin, Seigneur. Nous te remercions parce que tu as pas l'utiliser nous pour nous porter parole, Seigneur.
Nous pas bon, nous pas digne, Seigneur Père Semnon. Mais nous demandons autant moment ça, Seigneur, et revêtis-nous du Saint-Esprit, afin que tout ça que nous pourrons dire, Seigneur, nous pas pourrons dire par nous-mêmes, nous pas pourrons dire par philosophie humaine, mais nous pourrons dire selon ça, cet esprit mandé pour nous dire. Et Seigneur, nous demandons autant prie, Seigneur, couvrir mariage par nous. Pendant nous camper là, nous pourrons parler sur le mariage, nous connaissons Satan, he's gunning for us. So, il connaît, il va le voyer propre flèche par nous. Parce que lorsqu'il nous bat devant bon Dieu, Satan entendait le tout et il va le fight avant. Nous voulons pour couvrir mariage nous. Bon, nous avons double protection dans le moment ça, Seigneur. Pendant qu'on a parlé pour vous, Seigneur, personne. Fais parole ou aller. Que le rive tout côté, Seigneur. Sous les zones, sur YouTube, tout le monde capte de nous. Que parole ou aller et que parole ou côté fruit. C'est pour ça que nous prions au nom de Jésus-Christ, petit tout, qui vit, qui est au siècle des siècles. Amen. Nous saluons l'Église matin. Hein? Et quand il nous te dit, nous dit bon Dieu merci pour chance que les bons nous présenter devant l'Assemblée pour nous prêcher. Nous parler l'école, séminaire, rien. Mais bon Dieu, fais-nous grâce. Nous dit pasteur, nous merci aussi qui fait classe ça chaque jeudi pour nous-mêmes, les jeunes qui sont intéressés. Et c'est dans la classe que nous apprenons plus de bagages et quand il nous dit, nous, message au prêcher. Et dans la classe, il y a un feedback dans le message. Ça veut dire que le message qui va prêcher pour là, il est raffiné par le groupe leadership là, qui était là, qui a des versets bralis, c'est eux-mêmes qui étaient bons. Donc, so, nous avons au crédit, nous disons merci pour ça. Et nous disons assemblée, merci for showing up today. Nous jouons comme ça, l'église n'a pas de monde, mais nous fait obéissance, nous venons. Et nous connaissons déjà, bon Dieu, vous voyez, une protection spéciale pour nous. Pour chaque grand monde qui quitte la caillou. Bon Dieu, vous avez un accès spécial qui est mis pour vous, afin que vous ne sautiez pas là, vous ne béniez pas de monde qui sautiez là comme malade, parce que bon Dieu protège nous. Amen. So, dans le moment ça, pour nous introduire du message là, nous demandons à l'église qui t'aime nous encore. Et qui côté nous joigne? Verset 22. To obey is better than sacrifice. Et nous pourrons parler de l'obéissance dans le contexte du mariage. Obedience in the context of marriage. Parce que nous, en pile fois dans l'église, mariage, nous avons pile problème. Et ça fait, et mariage, c'est au même temps qu'a dit, c'est unit of the church. Tout le monde qui là, son famille, ou qui forme nous, qui vient là. So, si depuis notre base, il y a des problèmes, l'église entière a des problèmes. C'est ça fait que nous, bon Dieu, t'inspire nous pour nous parler de l'obéissance dans le mariage. Et leçon nous, en titre leçon nous, c'est un mariage fondé sur l'obéissance. En anglais, c'est a marriage based on obedience. Et nous avons trois désobéissances que nous avons dans le mariage qui fait que des fois, le mariage ne va pas marcher. Premier désobéissance, non, c'est désobéissance mutuelle. Mutual disobedience, ça veut dire ni garçon ni fille n'a jamais commis désobéissance ça. Deuxième point, c'est désobéissance de la femme, disobedience of the wife. Troisième point, c'est disobedience of the husband, désobéissance du mari. So pour nous comprendre qui côté bon Dieu sorti avec bagaille mariage, ça faut aller dans Genèse pour nous voir le premier mariage, premier wedding qui était célébré dans la Bible, dans l'histoire de l'humanité, et pour nous voir comment bon Dieu lui-même te set up the marriage. Bon Dieu set up a blueprint for the marriage, and this is how the marriage is to go. Quand nous avons building ça, je dis, pas je dis, il y a des slèves comme ça. Quand on qui te chita, qui te dessine building, qui te dit fenêtre, ça plat, ça veut dire que les gens qui bâti building, ils te font plein dans mes yeux. Et nous-mêmes, des fois, nous faisons mariage, nous selon théorie, pas nous, mais nous pas faire selon blueprint, bon Dieu te mette là. So, on a lavé, moi, dans Genèse 2, versets 23 à 24. Nous voyons côté que Adam, pas même qu'on ait besoin en femme, et bon Dieu créé femme dans l'hypothèse de Adam. Et puis le Adam, ouais, madame, il a fini, il fait une série de statements. Il dit comme ça, verset 23, et l'homme dit, voici celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24, là, c'est l'impire maintenant tout verset. Il dit, c'est pourquoi l'homme s'attachera à son père et à sa mère. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Moi, pire, mais en the English version, because the English version says, the man shall leave his mother and his father and shall cleave. Mot cleave là, veut dire soudé. L'on mette deux bagages ensemble ou soudé. Moun ki kon fè, ki travaille à faire,
là nous use du feu et puis nous fout nous souder le fer ensemble faire au pas qu'à commencement ou pas qu'à qui est cité là avant parce que font seul là regardez où est son seul bloc et mais c'est la première désobéissance en sortie because désobéissance en mutuelle des fois nous pas souder vraiment mariage yo. Deux fois nous par one Jean bon Dieu m'a dit nous pour nous one madame dans son bord Maria son bord nous pas nous quand c'est roommate des fois nous y nous just live together on nous pas grand rien en commun chaque monde a règle à faire par eux ça c'est l'argent madame ça c'est l'argent mari ça c'est machine madame ça c'est machine mari si une grande machine on pas ni pas bon machine parce que c'est pas machine pour quelqu'un notre chat ça veut dire ça c'est désobéissance yo et ça cause un pile problème dans mariage yo même dans discipline timoun yo maman dit fais ça papa dit pas fais ça papa dit pas fais ça maman même passé derrière dit ou mettre fait ça veut dire tout ça c'est problème yo dans mariage yo et c'est désobéissance yo because si nous sortis dans Genèse 2 verset 24 ça lui dit nous c'est pourquoi l'église dit pour moi et combien n'a venu en seul moi mes frères pasteur Luc nique toujours dit one together c'est one nous yé dans l'évangile et le one nous doit yé dans mariage là et nous connaissons des fois gens qui nous a dit ah mais je ne sais pas qui est ou a dit là mari son nek malet ve m'pa ka faire on avèl madame moi Sophie Gaspier m'pa ka faire on avèl et mais des fois nous grand pile rationnel en pile raison nous capable bay mais the truth is Jean bagala te bâti hein c'est nous doit suivre parce que whatever raison bay yo pa jamais valade devant bon Dieu et pour nous garder nous allons garder dans Matthieu 12 verset 25 nous mandé technicien ou mettez pour nous aller hein Matthieu 12 verset 25 Matthew 12, verse 25. Et nous parlons ça, Jésus dit. Et dans le contexte, Jésus t'a parlé, à vrai dire, t'a parlé avec pharisien. Jésus finit guéri en démoniaque, et puis pharisien a questionné Jésus. Et puis Jésus, il parle de ça, mais ça, Jésus parle de ça, that principle, we can apply it into our own marriage. Et puis il dit, comme Jésus connaissait leurs pensées, leur dit, tout royaume, divisée contre elle-même est dévastée. Et toute maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Every household that is divided against itself will not stand. C'est ça la Bible dit nous. Ça veut dire c'est ce qui est réellement important. Si nous pas won le mariage à nous diviser et nous pas stand mariage ou pas privé plus loin. Nous allons peut-être coexister mais nous pas jamais gagner mariage bon Dieu mettez pour nous gagner. Because gros problème depuis nos fondations. Nous voyons des gens qui marient n'importe 30, 40 ans, ti moun yo fin grandi et puis les sortent des oh y a divorcé. You're like what happened? Et mais c'est parce que c'était gros trou dans fondation depuis nos commencement. And they never fixed that hole, and the hole got bigger and bigger. And sometimes son baga moun a te fon nan mariage da, and you never let it go. You held on to it. Ça veut dire brique par brique wak monton mi. Et puis le regard ouais nous séparer. Non, mien, monsieur a soubopal, madame n'a soubopal. Et bien, je dis à m'plaisir, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nous faisons plus de sacrifice dans le mariage, nous travaillons dur, you know, you building a financial future with the other person. Nous faisons plus de sacrifice, but l'essentiel là, nous pas fait. Nous still pas one. Et ça fait des fois, les bails, ils finissent jusqu'à là, ils collapsent. Because we were never one. So let's go off excuses. Whatever excuses moi même avoir, nous capables de gagner, we need to let go of them. Because whatever might have happened in the past, je dis, c'est jour que nous font volte-face. Que tu es marié yesterday, que tu es marié 30, 40 ans, there is still hope. Parce que le fait qu'on l'a, je dis, on attendait ça m'a dit, bon Dieu veut dire, there is hope for the marriage. Nous pas give up sur marriage comme ça parce que c'est ton design, bon Dieu t'a créé. C'est pas pareil, les hommes créés. So let go of excuses, there is hope. And for the young people, I want to say, be careful about who you're choosing to be your mate. Because remember, you're going to have to be one with that person. So the moment you walk down that aisle, ou kapé là, et pasteur, do you want to take that person for your wife and to live with them forever? Ou dit, I do. You are one. Et ça fait, you have to be careful who you're picking up to be one with. 2 Corinthians 6, verset 14, we would like one of the young people to read it for us. 2 Corinthians 6, verse 14. Volunteer to read for us. 2 Corinthians 6, verse 14.
Come on, young people, don't be afraid. It's the word of God. Do not be yoked together with unbelievers, for what do righteousness and wickedness have in common, or what fellowship can light have with darkness? Amen. Ça veut dire la Bible just dit nous ça qu'on y a là. No matter how cute that person is, no matter how sweet they seem to be now, la Bible dit qu'on ça, do not be unequally yoked with them. Ça veut dire pas prendre la voie ou le mari avec monde qui pas converti. Because that person is going to be a pawn in the devil's game against you. L'elbe se frappe ou se moun sa même la prend pour le calot. Parce que go désobéissance qui fait depuis le commencement mariage là. Et moi je voulais ajouter, même si yo chrétien, même si yo dans l'église là avec nous là, you must still pray. Just because moun nan la avo, ça veut dire c'est moun pour là, non? Puis yo bon Dieu connaît qui moun qui compatible with you. You know, nous avons un proverbe haïtien qui dit chaque pain gen fromage yo. Like every bread has its cheese. So en anglais, the counterpart is every pot has its lid. So Paul prend pot ou bien lid qui va pour où? Chaque chaudière gen couverture pa li. And when you look at this, soit faut manger puis ou gade fòm chache couverture m pa jwenn ni bran n'importe sa gen. And you put it in, depuis chaleur a commencé monter. What happened? Sa passé là nous gon chaudière pa couvri. Yeah, li sont tombé manger en gaille tout côté because it cannot withstand the pressure. It wasn't meant for that particular pot. C'est ça fait moi di nou, même si nous dans l'église, même si moun nan marche dans l'église avec nous, you still got to pray parce que gen droit c'est pas pat pour là. Et soit pèse, mette un pat qui pas de port, et bien, si on m'a suifé, ou pas le monter dans le cas. On m'a suifé, c'est un grease pole. Si je ne pas comprendre. It's a grease pole. You're trying to climb a flag pole, and it's full of grease. Ça veut dire, chaque ton fondé pas monter ou glisser des sons. This is what the future is going to look like for you. Sous marié avec moun qui pas, bon Dieu, pas de baou. Ça veut dire, on pile prière. And also, on dit l'église, nous même parents yo don't pressure the young people into marriage parce que des fois the society do they pour ils font là you gotta be married, something is missing, et nous qu'on fait elle prend pas qui pas pour yo because they're responding to the pressure. So, ça veut dire nous même parents job nous c'est pas pour nous pressure ti moun yo pour nous marier, job nous c'est pour nous demander bon Dieu pour ti moun nan gen esprit de discernement pour prier pour capable joindre ça qui pour lui. A lifetime decision cannot be made based on a wedding night. The wedding is beautiful. I was married once. But après wedding, now we pour faire 40-50 ans. So do not rush to get married because you want to be married. Et deuxième point leçon, hein, après, c'est la désobéissance de la femme. Et nous jouons point ça dans Genèse 3, verset 3 à 6. Et nous avons eu une conversation dans Genèse 3 qui a passé. Eve a parlé avec serpent, back and forth. They're going back and forth with each other. Et puis, dans verset 6, nous pouvons mettre dans l'air pour nous, s'il te plaît. Il dit, la femme vit que l'homme était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il mangea. The woman saw that the fruit was beautiful, good for knowledge, and she ate and she gave some to her husband. So premier désobéissance que Noé Eve fait, c'est parce que lui pas respecté l'ordre des choses. Because te gon leadership qui était établi. Tout ça n'a pas gardé là, toute décision ça c'est Eve qui prend yo. There was no checking with Adam and say, Adam, what do you think about this? No, she made all the decisions by herself. Et puis non seulement ça, il mangeait avant. Dans notre toute société, nous connaissons. Et l'homme, nous avons un guest honneur ou un monde qui a pour nous, il vient là. Est-ce qu'on mange avant pour qu'on va manger? No, what do you guys do? Serve them first. Et peut-être qu'on mange ensemble avec elle, but you serve them first. Well, she ate first because she was the alpha woman. Et ma femme dit ça dans l'évangile, pas une alpha woman. Parce que depuis qu'on quitte les bagages sont entrés dans la tête, et you the alpha woman, c'est problème qu'on parle dans le mariage là. Parce que là, nous regardons, même bête, des fois. You know, Marie, m'a dit, moi, obsédé à bête. I love to watch the animals. The reason is, animals, you toujours follow the Lord of God, the word of God. C'est nous-mêmes, les humains, qui tellement intelligents, nous vraiment suivre ça, bon Dieu dit, nous, oui. Parce que là, regardez, a pride of lions, on paquet de lions ensemble. Qu'on l'ordre, oui. Whenever the female lion goes hunting,
The male lion always eat first. Gade pou nou en apwil. They take the biggest part. Even though but I'll hunt, they go and get the biggest part. If female, you back off. You know why they let the male lion do that? Parce que yo connaît leadership li. The male lion's job is to protect the tribe. Se yo même ki la, l'on lot li yon vini yo goumen ave li. So female yo koni, we have to give them more food because I need their strength. So me même jan nou même, nou même medam yo, we have to back up and let the men be the leader. Even que nou gran pile capacité. Et sam kapab di nou même women yo, we are very capable of a lot of things. Premier bagay nou genyen nan relation kapab di ki son capacité ki unique pou fi, we carry life. Fi, se ou pote ti moun. Nou pote ti moun yo 9 mois nan vantou. Et puis le arrivé, gen nan nou ki pousse petit lan, normalement. Et gen nan nou pendant tout 9 mois yo nan travail. I remember I used to work night, 9 months pregnant, mal travail nan nuit. Si ete garçon, nou pense ete fè sa, I always say the guys, if they were pregnant for 9 months, they always sit at home, most of them. Yo pa pral travay. Yo dap di, ah, mbaraba, mabchita. Mais nous-mêmes, mesdames, yo, nous avons plus de résistance, nous avons plus de résilience. Nous faisons, et le petit life nous faisons, the next day, you up taking care of that baby. So, bon Dieu, bon, nous avons plus de capacité. Deuxième capacité, nous capable accompli task. Son bagage est toujours dans le travail. If you want something to get done, give it to the nurses. Because they're going to talk, you fight, you know, but they're going to get it done. Et ça fait leur besoin bagage accompli. La gueule, mesdames, mesdames, yo, y'a fait. Because they focus. Ça y a réglé à elle, y a fait. Ça veut dire, encore, capacité, bon Dieu, bon nous. Deuxième, troisième capacité, c'est educational. Now, I'm not saying women are smarter than men. This is not what I'm saying. What I'm saying, et pas ça, I'm not saying that. Parce que I think we learn differently. Fille, quand achita, y a petit notio, and they're doing that. Guys are more kinetic. They learn with action, movement. Soupon ball, basketball la, wap teach you, they're gonna learn. Asia education not set up. It's not set up for young men to be successful because you all have to sit in class and take notes. So, et ça fait des fois nous, mesdames, nous avons pu avancer. Et nous capables de dire, nous avons study by the Journal of Black and Higher Education. Et ça study, I found that 2/3 of all bachelor degrees are awarded to black women. That this is specific to the black community. Et puis, on trouve encore leur moutée dans le degré, 60% of all master's degrees are awarded to black women. Ça veut dire, yo devant net, mesdames, nous yo devant, dans ce sens ça. And then, ça me dit nous, pour qui ça, mon Dieu, ben nous toute capacité ça yo? Li ben nous toute capacité ça yo, pour nous faire wall que le mette dans le mariage là. Because, si garçon, ces têtes là, nous même nous c'est courant. Ça veut dire qu'on doit être strong enough pour capoter tête là. But quoi pas qu'a dit tête là, retirer quoi là, I'm in charge. Son tête sans corps, son monstre lié. C'est pas vrai? Ça veut dire nous-mêmes chrétiens, chrétiennes qui dans l'église, even though we are very smart, we are very capable, mon Dieu m'a dit nous pour submit all of this power that he gives you to his authority. Et nous capables li dans Ephésiens 5 verset 22 à 24 nous mandé pour mettre pour nous et nous mandons volontaire pour read pour nous Ephésiens 5 pour nous est ça mon Dieu dit mesdames yo pour yo faire qui wall nous dans mariage là Ephésiens 5 verset 22 à 24 verset 22. For wives, this means submit to your husbands as to the Lord. For a husband is the head of his wife as Christ is the head of the church. This is it. Yeah. Le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'église. Ça veut dire, cette parole est dure des fois. Nous-mêmes, mesdames, des fois, nous parlons de ça. But it's the truth. That's how God designed it. Le mari est le chef de la femme. Ça veut dire, nous pas faire même genre Eve qui était pas by Adam. Gros job li, qu'il te doit faire, li prend tes couvres. Parce que Eve te connaît plus. Non, la Bible dit, le mari est le chef de la femme. Ça veut dire, lors de ces décisions pour faire,
And because you're very capable, you're very smart, you have to run it by your men. Ou pas dire ça fait pour compte nous. Just décider, bon, je dis à moi, bagala, bon, ma fait. Parce qu'on série de monde, c'est comme ça, yo agit dans le mariage, yo. C'est yo qui call the shots. Garçon, on pas gagné rien pour le dire. Ou pas que j'en la quand on m'a dit, c'est fille qui bosse Kaila. De make sure you know. Mon gonzon même qui dit, le convient là quand moi, il sorti juste pour s'en dire, moi-même, pas qui de monsieur conduit, il va faire mon père dit, t'en out là, et moi, conduit, oui. Attendez, le dim ça, oui. Et puis, nègre l'arrêté là. Nègre l'a pris. Why? You know? Because it's embarrassing. But d'agit ça sa dim. Sa dim, c'est lui qui bosse la Kaili. That's what it tells me. She's in charge. C'est lui qui bosse la Kaila. Ça veut dire, son désobéissance liée. Et deux fois, nous, ouais, prier, nous pas qu'à monter, prier au marais. It's because of this kind of disobedience. Mariage, pas qu'à marcher. It's because of this disobedience. Et for the young woman, remember, nous-mêmes qui jeunes, qui single, the person you married, you're picking the commander of chief and chief. Ça veut dire, what pick your own chief. Ça veut dire, faut connaître qui est soit marié des fois. Ou pas qu'à juste prendre n'importe monde pour marier, because that person is gonna be your chief. It's gonna be your commander of chief. Et nous capable des fois, l'on prend one commander of chief, là il y a un désastre pour la go. Because you pas suivre. Est-ce que moun sa wap date la or you in love with, are you going to be able to trust that person to lead you spiritually? Est-ce que moun sa se moun kap do an a la priye? Est-ce que ou ka trust you financially? Because nou pral mette kobou your financial future into that person's hand. Are they going to be able to handle it? Parce que sou wap date moun nan where they look good all the time, you know, tout ti la je ou fait acheter expensive clothes, expensive sneakers. What does that tell you about that person? You're back on save. And they have the wrong idea financially. Et pour moi, on va le marier à mon comme ça. And then you're going to have to listen to them. Because la Bible a dit, quand il me dit, pour finir rentrer leur campé là, whatever, ça que t'es dans la Bible, you must apply it. So you got to be careful who you're picking up. Est-ce que mon sa capable de discipliner children, you know? Est-ce que son monde qui aime fâché? Pendant depuis dans rien mais elle commence à fâcher sur nous, hanging up the phone on you, hitting you, et nous remet toujours, nous on même marié, and but that person c'est pas un chef qui parle pour nous, they're gonna be a dictator, son bourreau il parle dans Kaila pour vous, so don't be so in love that ou pas quitter cet esprit guidé, because sometimes we are blinded by lust or desires to get married, so don't young woman, take your time, because nous pas qu'à faire une décision comme ça, based on feelings. Faut qu'on a prié et faut demander mon Dieu direction. So nous prenons un troisième point leçon nous, qui c'est disobedience of the husband. So pour nous comprendre partie par garçon, on nous go back to Genesis 3, verse 1 to 6. Nous demander les techniciens pour mettre pour nous en l'air. Et nous avons gardé un paquet de conversations qu'a fait. Eve is going back and forth, and grand garçon qu'on dit oh Adam pat là. Qui savait ce qu'il a dit? Hein? He was right there. Lila, li pa jam interrompt conversation. Li pa jam dit Eve, this is enough, let's go. Li est campé là, la pas assisté. Ça veut dire c'est premier désobéissance nous garçon yo fait. Nous renoncer à job leadership nous. You relinquish your leadership role to your wife. And you relinquish your not trois parties and three areas. Côté nous fait ça en fragrant délit. Premièrement, spiritual leadership. Nous toujours ouais quand il passe cette table dit c'est mesdames qui devant. Where are the guys? Nous avons class leadership. Nous capable de dire allons pas venir chaque jeudi, venir every other Thursday. C'est deux garçons moi-même toujours. Par contre si venir l'autre jour pas ouais. But I only see two every time. Frère Kenzie, frère Innocent. That's it. Tout monsieur sa okshita la yo. Why you guys are not in the leadership class? Learning to lead along with the women. Because you relinquish your job as a leader. And nous pa prier pour madame nous. A lot of time we just complain about our wives. But do you pray for your wife? Come in nous la gasso actually pray for your wives. Nous pray pour timoun yo. Et Matthieu 12, pral bon nou. Again, nous go de Matthieu 12, verset 29. On nous lit verset ça. Pour nous voir comment ces plans diables-là même, parce que depuis l'attaque tête-là, il prend encore à tout. En allant dans Matthieu 12, verset 29,
Jésus t'a pas la pharisienne on a même ligne but again that principle can be applied to marriage. Jésus dit comme ça. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Ça veut dire comment ça t'a fait entrer la caillou? C'est où même ni marié les garçons? En plus là nous garçons là ça t'a marié nous. Les marié nous avec travail. Sometimes you work and there's no time for prayer because madame vous n'avez pas fatigué. And sometimes les mari avec distraction de so many things out there qui distrait. Ça veut dire pour Satan qui font une série de désordres là caillou, they have to get you first. C'est ça fait nous mêmes garçons, il faut nous prendre ça très au sérieux. Your spiritual leadership in your house count. Parce que c'est où même genre de male lion is responsible to protect the females and the cub, that is your job. C'est pas job madame non. Pour pédé dit on a l'église toute la journée, on mène ti moun yo dis, on mène dis, on mène c'est toujours fille yo. You guys are the example of the next generation. Nous n'avons pas quel gentil garçon qui a pleuvé dans l'église. They're looking up to their father. Not only we marry them, but we marry the future generation too. So we need to take this seriously. Men of this church, wake up. Parce que bon, Satan entre la caille, nous la piller. Et ça la Bible dit oui. La piller because you leave the door open. Parce que madame, nous avons prié vraiment vrai. Nous avons prié hard. But ces garçons n'ont pas fait job leadership. There's something missing. Parce que si nous tournons dans Genèse, nous voyons Eve pour un premier coup de dent. Did anything happen? No, nothing happened. Nothing. You see, Eve mangeait et puis elle dit à Maria. C'est le Adam pour un coup de dent par là, oui. Ou t'as dit, then the eyes open. Ça veut dire, nous voyons que leadership là, c'est réellement important pour bon Dieu. Parce que pour ça, Dieu va trouver depuis que Eve était là. Non, because she wasn't the boss. She was acting like the boss, but she wasn't. Ça veut dire, garçon yo même nous devons prendre wall nous parce que who knows si Adam te dit un bagage maybe nous pas prier ce côté nous hier aujourd'hui ya he was just standing there et ça veut dire garçon non wall leadership nous we have to rein your wife in et pas toute ça madame moi faire devant pour d'accord si madame non wrong you have to be strong enough to say chérie you wrong ou pas doit parler à tel comme ça ou pas doit agir comme ça you have to have the courage to say it. Because c'est job leadership yo. Deuxième partie nous garçons yo font pile négligence dans leadership yo c'est emotional leadership. Emotionnel yo garçons sometimes they missing in action. Parce que yo pas aimer paquet émotion, yo pas aimer fi k ap crier dans tête yo, fi k ap parler en pile, they don't want to hear that. Et nous wè en pile là yo they tend to shut down. Parce que moi dès me commencer parler en pile, parler en pile, France pas dans encore that's it, it's over. Whatever else m'a dit, doesn't go anywhere. Ça veut dire, bon Dieu, bah, garçon, on travaille dans ce sens-là. Because you are married to a woman. Ou pas marié avec un monde qui même j'ai avoir. Ça veut dire, the woman emotions sometimes can go a little crazy. There's hormonal stuff going on. There's all kind of things. Self-esteem. That's your job. En tant que garçon pour adresser ça. C'est pas dire à fille toujours parlant pile moi, pas parlant pile moi, je suis ton côté, on regarde TV. That's ou manquer dans leadership emotionally. You must know what's going on inside your own home. Nous là ca nous pas connait ça qui passe dans caille là. Ti moun yon bon, madame non bon, moun nan koko moun crazy dans caille là, la faire manger, la occuper ti moun, la monter descendre et pour même garçon on chillaxing, watching your little basketball, watching your little football, gon football Brésil qui joue là, on va pas parler avec madame. Sans les quitter, nous quitter job ça, son job bon Dieu bon nous fait. Et nous capables de ça dans 1 Pierre 3, verset 27. Nous capables de demander aux techniciens pour mettre nous pour nous devant. 1 Pierre 3, verset 27. 1 Peter 3, verset 7. 1 Peter 3, verset 7. La parole à Mario, parce que ce n'est pas seul droit, nous gagnons, nous gagnons devoir tout. Ce n'est pas seul dit, l'homme est le chef de la femme. Et puis, when it comes to do your job as a leader, you don't do it. C'est nous gagnons droit, mais nous gagnons devoir tout. 1 Pierre 3, verset 27. 1 Peter 3, verset 7. Il dit Mario, mais montrez
de votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Oh, go ahead, read it for in English for me too. For every kind of beast and bird of reptile and creature of the sea. No, first Peter. Okay. That the genuineness of your faith being much, more precious than gold that perishes. No, c'est pas verset à ça. First Peter D. Yeah, that's okay. La parler de comment garçon doit agir avec madame Nina Kaila. There we go, yeah. Husbands, likewise dwell with them with understanding, giving honor to the wife as to the weaker vessel, and being heirs together of the grace of life, that your prayers may not be hindered. Amen. Lydie, nous montrer de votre tour de la sagesse envers vos rapports, envers vos femmes, comme un sexe plus faible. Lily dit nous plus faible. Elle m'avait dit que something is wrong with women. Non. Lily dit nous the emotional part of being a woman can take over. And c'est ou même garçon. Lily dit faut montrer de la sagesse. Parce que en pile fois, fille pas besoin de ça. Il y a vrai. Il y a pas les deux en souliers. But it's not about the shoes that you drop in front of the house. It's about something else. Ça veut dire c'est ou même garçon. Dans le leadership, il faut avoir une sagesse, il faut la prière pour dire, what's going on with my wife? Pourquoi ça parle de la journée dans le cas là? It's not about that. Ça ne parle pas même about you. Or they go around and around before they get to the point. Il faut accepter, il faut avoir patience. Parce que dans le leader doit connaître ce qui est en train de se passer dans son household. Jésus te connaît what's going on in his, with his disciples. Depuis les disciples, tu as parlé mieux entre eux. Ou tu as Jésus connaissant, Jésus leur dit, Jésus adresse elle, so you have to address it. Madame ou triste nan kala, crier toute la journée, ou mou pas même garder ça même, it's like nothing to you. You have to do that. Et lui dit comme ça, for honorer comme devant un héritier, m'a dit héritière avec vous de la grâce de la vie. So honorer madame ou pas ka bat madame ou ap honorer. If you're hitting your wife, you're beating your wife, you're not honoring her. Ça la donne tout. C'est parce que grand pile dans nous c'est pour nous et ça nous dit c'est ça s'il pas fait bâton. Ça qui arrive dans l'église tout oui, bagaille domestic violence, c'est un bagaille qui just dans la rue non, il est en toute couche sociale. Il est dans toute race, it can happen everywhere. Ça veut dire nous mêmes qui garçons l'église pas fait genre de désobéissance ça yo parce que madame dans les douze sont héritières liées à vous. She is a heiress. Son princesse lié même Jean avoir qui parce même Jean même mon paquet droit devant mon Dieu il comptait tout pour bon Dieu parce que il dit comme ça que il gagne pour l'héritier avec est-ce que nous capable abuser est-ce que ou ta pense mon n'a pas abusé comment les petites Trump là petite fille Trump là you know Ivanka Trump non because the father is the president you obligé respecter la cause de papa. Et bien c'est même nous gons femmes servantes de Dieu avec nous et bien nous pas respecter lui. This is un man qui parle héritier avec nous. C'est mon Dieu papa lui. Et ça fait toujours dire mesdames, si nous un mari qui est difficile, c'est côté bon Dieu pour aller because God is in charge. Garçon gain boss parle tout. Pas faire discussion avec elle al côté bon Dieu parce que ouais pasteur te lit pour nous. Il dit nous comme ça c'est pas action ou gain garçon. C'est pas en parler en pile. Et ça fait nous même garçon yo, you have to watch out for yourself. You have to respect your wife. And respect lan, c'est dans les petits détails. Love nan kaila, on mange, fait ton kaila clean. Say thank you. Pas dit a job li, te clean kaila. That is not respect. That is not honoring them. And honoring to mette me. Pas just kite se moun nan ka fait tout bagay ou mamou chito ap gade. Because tout leader doit mette me. Leadership is action. Parce que Jésus remet l'église, il descend vient mourir pour l'église. So you cannot be a leader and not participate in anything ou Dieu chita pour y observer. D'ailleurs, Jésus dit, au monde qui voulait premier ou voulait en chef, c'est pour servir tout l'autre.
Ça veut dire faut servir madame dans la là tout. It's not just a one way, c'est fi a cap faire pour and you don't give anything. Son désobéissance liée. Parce que exactement la Bible dit ou doit obéir. Tu obéis better than sacrifice. Pas dire oh j'aime travail dit, on va tout ça le besoin dans caille là. Ça me besoin. Non. Don't do that because to obey is better than sacrifice. Tout sacrifice ça ou faire, tout pour qu'on respecte madame dans caille là. This for not. Ou perdu yo. Parce que bon Dieu, exactement dit dans fin, hein, qu'il en soit ainsi dans fin verset, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. So your prayers can go to heaven. Il y a des fois on a prié, prière ou pas monter parce que nous avons obstacles ça dans la vie nous. Bon Dieu nous remet prochain nous, on a pensé prochain c'est l'autre monde. Prochain nous est madame nous oui. The first prochain c'est madame, on sait qu'il va la avoir. Faut remet pas faire le bagaille que lui pas faire, qu'on soit pas faire le faut pas faire nous-même. You have to be obedient to the word of God. Men, Matthieu en vient nous take control of the emotional health of your home. Prends kay nou en charge. Konne sa ka passe en dan kay nou. Le nou madame nou en jan, si moun mwen ten TV an, pou en ten Facebook lan, pou nou di chéri, what's going on with you? Et fè don série de ti actions ki moutre moun nan honorel. Et m'ap di sa, my sister-in-law, li toujou di mwen sa, frère Frankie, good job brother. Frère Franky, depuis Frère Franky sorti, il met son gaz à mettre la machine dans le tourner, il kiss li. Moi, I was like, oh, attendez, ça fait, et ça fait bagarre la bête. Et pas seulement la fait madame ni plaisir, oui, qui fait la dîme ça. Or something, Frère Franky, doit pas même la penser, son big deal. But to her, it's a big deal. Et c'est petit bagarre ça, ou des fois, nous, qui qu'on crack at the foundation. Nous, madame, nous, qu'on piece of furniture. Li là pour servir nous chita sous li là nous voulait and then nous jeter le voyer dans coin on a prétend it's bedtime for some action et pas comme ça the woman starts in the morning moi yeah. Toujours dis ça the woman starts in the morning emotionally you have to be there for your wife li pas facile parce que like I said women are very complicated and complex et pas facile pour sort it out. Bon, sur la prière, mon Dieu, kabao, discernement. Matin, nous invitons les garçons et nous pour esprit de discernement. Et troisième partie que nous, garçons, des fois, fait manquer dans le leadership, c'est about sexuality, bagaille sexuelle. Garçons, leadership, nous, des fois, nous manquer là-dedans. Et si nous lisons dans Hébreux 13, verset 14, demandez technicien, mettez-le pour nous. Hébreux 13, verset 14. Bon, Dieu a parlé de sexual health of the marriage. Il a parlé de bagailles sexuelles dans le mariage. Il dit que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal, Hébreux 13, verset 4, vous l'ai dit, excusez-nous, que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal exempte de tout souillure. Quand Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ça fait nous, ouais, garçon, nous avons un rôle spécial dans ça. C'est parce que, when it comes to bagaille sexuelle, garçon, au plus faible, pas ses filles. Le plus facile pour un garçon tomber qu'on fille. Number two. Nous devons être vigilants. Et nous-mêmes, dans la société, nous, des fois, dans la société haïtienne, nous sommes capables de dire si ces filles qui font un péché sexuel, les pas bon, jetez-le. Les garçons, ils disent, non, garçon, ou à café, non, garçon, tout pas bon. Pas qu'il y ait des bagailles qui sont sorties dans la bouche, nous. Nous-mêmes qui sommes l'église, nous savons que les bagailles ne doivent pas répéter. Nous ne doivent pas dire, oh, ces garçons, ils ne peuvent jamais être en selfie. Non, because this is what the Bible says, que le mariage soit honoré de tous. Ce n'est pas un job pour la veille de tête, ou même garçon doit veiller tête tout tout. Et là, quand vigilance s'en sortit, de toute façon, nous ne veillons pas, nous flirtons. Il y a peut-être monsieur marié qui aime flirter avec une jeune fille. Son garçon, pas qu'à dire à une dame qui n'est pas mariée, give me a call whenever you need something. Son invitation, Bali là, oui. Et une série de filles d'ailleurs qui pas converti, il y a plein d'invitations en amour. You playing with fire. Et ça passe de dire, la play with fire. Because fire sa ou a joué avec qui tout pitié, la entre, la boulot, la boule madame ou la boule kayo. Tout kayo la boule nan mon, because of that.
Nous gardons trop mauvais bagailles. Nous avons des garçons qui struggle with pornography. Tout bagaille ça, l'offre n'a pas de vieux bagaille comme ça. Ou pas qu'à la prière pour qu'elle là. You open the door pour tout vieux esprit ça rentre tout, oui. Il y a un paquet de monde dans WhatsApp. Qu'on a vu une série de bagailles by, you know, my husband. Sometimes I'm like, mon sang, mon église dit, what kind of thing is standing you? Parce que ou gade ou we bagay sa ou sou pa ke bagay sal yap gade. Et puis yop ri la dani. Ou e pa mek te feli. But son chrétien ye. You have to protect your mind. Pa kite tout bagay entre nan pense ou. And we garçon yo même yo pren plaisir yap gade une série de bagay ki pa fe bon Dieu plaisir. And you're opening the door for the devil to come in. Parce que nous pa vigilant. Nous pa gade. Nous pas faire sexual leadership dans la caille nous premier monde qui doit garder porte caille là qu'on me dit c'est nous mêmes c'est pas madame pour marcher dehors pour veiller pour ça faire that's not her job you should know what your job is so arrive non point on peut de checker ma pour ça la faire tout temps then you got a bigger problem nous avons un problème dans mariage un gros problème spirituel dans mariage là et faut aller devant mon Dieu pour moi me dire ça va passer comme ça and for the young men as future leader you must also watch for sexual sins. Don't be collecting girls. Girl série de jeunes garçons chaque semaine you got a girlfriend different. You cannot have a girlfriend every other week, you have a new girlfriend. What are you doing with them? Because with each intimate encounter there comes a spiritual gift too. Satan wants spiritual gift liba worship. You don't see it because it's invisible. But it comes with you. And lo pral marié kounya you want to be a leader. All these sexual sins côté fait l'autre jeune garçon, they follow you into your marriage. All of a sudden you can't be faithful because you know what? All these women you slept with, tout vie esprit ça entre dans tête tout oui. Because ou t'es dans désobéissance. So what is your protection? They can just come in. Nous gain homosexualité, lesbianism, pornographie, tout entre avant dans mariage là because you were not vigilant. You guys are future leadership of your home. So you must keep your bodies clean. Don't be sharing your body with all these women, all these girls. That doesn't make you cute or macho. C'est dans l'affaire nous praler. Because you're disobedient. When you're trying to live a good life, it's not going to happen. Because souvent, de mon Dieu pardon pour bagay sa yo. And not only that, the STDs leader yo a tout. Sometimes the gift is also physical. Parce que me songe et l'homme ta bon pas dit l'hôpital là for hyper privacy bon je te gon font caisse tout te gagné un jeune petit garçon 19 ans qui gon pneumonia drôle et puis leur testé les HIV positive un petit monde 19 ans c'est comme ça la vous commencer oui avec un vieille maladie ça veut dire qu'elle fait toute vie toute next relationship là that thing's gonna follow you c'est ça fait désobéissance ça yo pas fait mon Dieu plaisir et gain conséquence. Ça veut dire, young men, as future leader, you have to be to start your leadership now. Don't wait until you're married to start. You have to start now. And pour nous finir, as pour nous focus sur thème obédient, l'obéissance better than sacrifice. On nous applique bagay sa yo nan, nan la vie quotidienne nous. C'est bagay nous li nan Bible seulement. Faut nous mettre en pratique. Parce que nous, elle nous pas mettre en pratique. Nous pas faire mon Dieu plaisir et nous pas faire bénédiction mon Dieu douge mandou à nous. Mesdames, on nous fait job mon Dieu ban nous fait. Nous can get, we can have strong marriages. Nous ka gen mariage qui campé ferme, but faut nous faire partie par nous. Quand dit pasteur te li mou nous, pas nous faire goumer avec Marino parce que même Jean Sarah te relé et Abraham mon Seigneur, c'est ton signe de révérence. Que Sarah te by Marie à tout. But at the same token, c'est pas qu'on s'attit Abraham devient titre, non? Because when you're looking at their history, Sarah, après bon Dieu, was the most important thing for him. Les fonds, actually, en pile, Abraham fait, c'est à cause de Sarah. Because he loved her so much. Et le Agar commence à venir faire fréquent avec Sarah. Sarah pas juste mettre le non? Ça m'a dit, you have to follow your leadership role. L'allemand dit, Abraham, il dit, mais fille, t'es bon, la femme, elle va avec. Et puis Abraham, il a permission, do whatever you want. Et puis, il take action. Et là encore, il a célébré fête et petit là. Et puis, il dit, quand petit là, Ismaël a pris. Il dit, Abraham, petit, ça n'a pas mérité, petit, moi, mettez-le dehors. And what did Abraham do?
Il n'est pas content, mais bon Dieu dit, fais ça, madame Odile. Ça veut dire, nous-mêmes, garçons, you must listen to your wife too. Dans l'obéissance, dans tout, il y a toutes les deux façons. Et pas seulement chef ou yé, pour ne pas entendre personne, mais maybe you could be wrong. So, guys, your job is to protect your household spiritually, emotionally, sexually. And young people, your job is to start watching now. Don't wait until you walk down the aisle to make that decision. Today is the day to make the decision. This is the kind of wife you're going to be. This is the kind of husband you're going to be. Et pendant la fin du message, non, nous pas besoin pour nous clap at the end of the message. Rather, prends temps nous pour nous réfléchir, pour nous reflect. Parce que nous avons marié depuis longtemps et puis tout problème ça yo plague your marriage. Et si mon Dieu parle à vous, il nous demande, il nous avance devant. Il y a des gens qui sont capables de prier pour vous. Because it starts now. Et je dis, pour casser les chaînes. Et young folks, nous demandons nous avancer tout. Parce que, demandez bon Dieu pour le bon ou pas loin. Your own cheese. Pas juste prendre n'importe quel. And old folks, grand monde, qui peut-être ont des patients de faire depuis le passé, qui suivent dans le mariage. This is the time to. Il n'y a jamais trop tard pour nous demander bon Dieu pardon. Et puis pour mariage, recommencer encore. It's never too late. Le fait que nous l'ajoutions avec toute bagarre qui a passé, that means it's not too late. So, nous demandons nous dans moment ça. Prenons-nous, réfléchis, reflect. Sous pas avancer now, do it later at home. Chita Marie nous parler. See what happened to us. C'est comme ça nous terminons le message là. Grâce mon Dieu avec nous. Nous disons, bon Dieu, merci pour j'en te servir avec Sœur Medina. Si anyone wants to make that change in your life, si vous sentez le message la touche ou, et vous voulez changer dans la vie, ou capable de venir devant. Et puis, pasteur avec leader a prié pour. If not, then nous allons passer avec pasteur Franz dans une présentation. Avec bonjour avec nous. Nous avons demandé un petit patience, s'il vous plaît, pas gâter l'harmonie des choses. Nous pas prendre le temps, nous avons fini bien vite pour nous voir aller. Son présentation, nous avons fait. Et comme tu fais dans l'église, nous connaissons pas un service à soi, ou un content pour aller. So, pendant que les parents a pas approché, nous avons chanté. Pendant que les parents du petit Nolan, France, le gars a pas approché, nous avons chanté 326 français. Oh, que ta main paternelle. Elle me bénit, ça mon j'aime. Et que ce soit tout en elle que je dors, mon bon berger. Passez par ta grâce, les péchés que j'ai commis. Et que ton esprit me fasse obéir sans insoumis. Obéir sans insoumis. Fais reposer sous ta garde mes amis et mes parents. Et que ton élève va entre de ton
C'est une occasion heureuse et importante qui ramène aujourd'hui cette famille à la famille Le Gagneur. Avec le fruit de leurs entrailles, le petit Nolan France Le Gagneur. Ils ont fait un acte que Dieu leur demande de faire. Comme nous trouvons dans la Bible, Marie et Anne. Anne est dans l'Ancien Testament et Marie dans le Nouveau Testament. Et Kenti et Naomi. Comme ces deux femmes, ces deux parents, aujourd'hui, vous avez entendu l'invitation du Maître, du Jésus, à laisser les petits-enfants et ne les empêcher pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Nous avons ça dans Matthieu 14, verset 19. Et dans le Nouveau Testament aussi, nous trouvons Marie et Joseph, et dans Luc, et nous trouvons c'est pas les parents du petit Jésus l'avaient pris et l'emmenaient au temple. Comme eux, vous êtes venus aujourd'hui devant l'Assemblée, devant le Saint-Esprit de Dieu, devant Dieu lui-même, pour présenter nos landes au Seigneur. Vous venez de le faire aussi en petit qu'il est, tandis que le charme de sa naissance n'a pas encore disparu. Et c'est un mystère. Et c'est tout à fait merveilleux de vous voir vous tenir devant l'Assemblée aujourd'hui avec le fruit de vos entrailles. Ce n'est pas le premier, ce n'est pas aussi le dernier. Conséquemment, vous avez un long chemin à parcourir. Et comme la Bible, vous voyez, et Marie et Joseph avaient élevé Jésus. Et vous voyez aussi Anne qui avait prié, avait emmené le petit Samuel au prophète, afin que Samuel reste au service du Seigneur. Conséquemment, vous avez un travail énorme à faire. Et ce travail, c'est d'élever nos langues selon le Seigneur. Et puisque... Et non, vous n'avez pas encore beaucoup d'enfants, mais vous avez déjà la petite Kinsey qui vous encourage à avoir le petit Nolan. Et le petit Nolan va vous encourager à avoir le petit, je ne sais pas, mais ça viendra. Et, non, et ce serait bien pour la famille. Et conséquemment, on aura une famille tout à fait complète, et beaucoup d'enfants. Et puisque c'est un travail énorme, j'aimerais... vous demander au nom de Jésus de continuer à servir Dieu d'une manière telle que nos langues arrivera à devenir un citoyen céleste, non seulement un citoyen terrestre, mais est encore un citoyen céleste. Et comment cela se fera-t-il? C'est quand vous, parents, vous prenez la décision de l'élever selon le Seigneur. C'est un travail énorme. Et c'est Dieu qui vous confie son héritage. Nolan est l'héritage de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit, les enfants sont un héritage de l'Éternel. Conséquemment, nous n'allons pas trop parler. Et j'aimerais vous poser quelques questions auxquelles vous allez répondre. Vous allez répondre affirmativement. Et après quoi, nous allons prier pour Nolan et ça terminera pour nous. Naomi et Kenzie,
Présentez-vous maintenant votre enfant, le petit Nolan, devant Dieu, dans une consécration solennelle. OK. En tant que parent, vous consacrez-vous à élever Nolan en le corrigeant et en l'avertissant selon le Seigneur? Oui, pasteur. Promettez-vous de lui inculquer les enseignements de Jésus-Christ, de lui faire pratiquer la prière et de le guider pour que se développe en lui un caractère conforme à celui de Christ? Oui, pasteur. Promettez-vous d'essayer autant que faire se peut de façonner la vie familiale de votre enfant à la fois par le culte de famille, par vos voix et par votre exemple, afin qu'à l'âge approprié, il en vienne naturellement à se joindre à l'Église par la communion et le service. Oui, pasteur. OK. Est-ce que l'Assemblée a entendu? Ils ont pris la décision d'élever nos langues selon le Seigneur. Et s'ils ne font pas ce travail, vous êtes là, vous avez vu, vous avez entendu, ce sera de votre devoir de les aider à bien faire ce travail. Et Naomi, Kenzie, dans la mesure où vous avez promis devant Dieu et devant cette assemblée de consacrer votre enfant à Dieu et de vous consacrer personnellement à la tâche de l'élever pour Dieu, je vous charge de vous consacrer fidèlement à cette obligation sacrée avec sagesse, patience et dévouement. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et que son esprit repose sur vous dans ce but. Nous allons prier pour nos langues et après quoi ce sera terminé pour nous. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment pour ce moment spécial. Alors, où la famille Le Gagneur se présente devant toi et devant cette assemblée, et avec le fruit leurs entrailles, le deuxième. Et nous te remercions infiniment, bon Dieu, pour nos langues qui grandissent. Déjà, cher Seigneur, tu lui as accordé de voir plusieurs mois dans sa vie. Et il lui reste encore des années à voir afin de grandir et d'être exactement au Dieu ce que tu veux qu'il soit. Un enfant qui grandit dans la connaissance de ta parole, un enfant très intelligent, un enfant qui pratique la justice, qui aime ses parents et qui respecte ses parents. Et bon Dieu, donne à Naomi et à Kendi la sagesse dont ils ont besoin en vue de faire ce grand travail qui est élevé Nolan, Franz, Le Gagneur, selon toi. Nous comprenons que ce n'est pas une tâche facile. Nous vivons dans un monde dangereux. Bon Dieu, ce monde a maintenant tout ce que tu veux que ce monde fasse pour leur bien, pour le bien de plus d'un. Et nous, on voyons que les choses tournent mal. Même en bon Dieu, ce que tu dis dans la Bible, en bon Dieu, on ne le respecte pas. Conséquemment, c'est aux parents de Nolan de l'éduquer selon toi. Donne-leur la sagesse, donne-leur l'intelligence, le discernement, afin de faire œuvre qui vaille pour toi. Reste avec Nolan, donne à Nolan d'avoir une intelligence sans extraordinaire. Bon Dieu, donne à Nolan d'être un serviteur, bon Dieu, qui t'aime. Et qui arrive à prendre la décision d'être un modèle parmi
bon Dieu, papa, ses frères et sœurs, ses amis aussi, bon Dieu. Papa, nous comptons sur toi. Reste avec l'enfant pour nous, bénis l'enfant pour nous et veille sur l'enfant. Quand il dort, quand il ira à l'école, bon Dieu, partout où il sera, que tu restes avec lui. Reste avec Nolande, garde Nolande et bénis Nolande pour nous. Grâce que nous te demandons au nom et par la maître de Jésus, notre divin sauveur, à lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur te bénisse, qu'il t'accorde de grandir en sagesse et en autorité spirituelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ben, pour nous terminer le service, nous mettons-nous debout. Nous allons chanter 13 créoles, chant d'espérance. Nous allons marcher à Dieu. Nous allons chanter premier avec dernier strophe. Notre Père, notre Dieu, en Jésus-Christ, nous infiniment reconnaissants envers du fait que nous avons opportunité pour nous aujourd'hui, en 15 mars 2020, Seigneur Dieu, nous dans l'église baptiste d'expression française de Bridgeport pour nous adorer pendant les États-Unis troublés, pendant tout le monde bouleversé, ou bien nous privilèges pour nous venir continuer à adorer. Et nous disons merci pour chaque opportunité, nous chaque qui était là et nous chaque qui online, cap suivre, cap tender, cap apprendre, cap connaître, qui sont voulés pour la vie, nous avons besoin pour nous chaque obéir dans toutes dimensions qu'on veut nous obéir. Timoun, soit sous Timoun, sous jeune moun, sous Mario, sous Madame, tout s'abandonne nous pour nous faire, nous besoin obéir avec nous. Nous disons merci pour ça, nous bon gloire pour ça, nous magnifions nom pour ça, Seigneur. Notre Père, nous prions qu'on continue à bénir nous chaque qui est là, je dis. Et particulièrement, Seigneur Dieu, dirigeant service là, dirigeante là, Seigneur, à toute prédicatrice là, qu'on t'a utilisé chaque monde qui te font bagaille, Seigneur, et monde qui te nan, comme accueil, chaque monde qui t'a font bagaille, musicien nous, pasteur nous, Seigneur, qu'on mette là pour continuer à orienter nous, pour continuer, Seigneur Dieu, faire nous connaître qui sont voulés pour nous, qui ça qui nan, qui sont ou voulés dans la vie nous, qui sont qui j'en voulais pour nous vivre. Nous demandons pour continuer à bénir nous, continuer à accompagner nous, bah nous plus énergie, bah nous plus force.
Aidez-nous, Seigneur Dieu, à gagner la paix qu'on bat nous. Parce que la paix, le monde a bat nous. Nous ne pouvons pas gagner la paix vraiment. Nous avons la paix pour un petit temps. Mais nous ne pouvons pas vivre avec la paix, ça, Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus que nous, chaque qui est là dans l'église aujourd'hui, ou bien nous, chaque qui parle à Seigneur, qui parle, peut-être pas infecté par COVID-19, mais qui est infecté par la peur. Parce que nous, tellement peur, nous pas qu'à servir encore, nous pas qu'à prier, même si nous t'a prié encore, nous peur tout le monde qui va côté nous péché, nous demandons dans le nom de Jésus-Christ qu'on guérit nous chaque Seigneur, dans quelle que soit forme de problème que peut-être n'a pas rencontré Kounia, ou bien pile l'autre bagarre dans la vie qui a fait nous peur, nous prions dans le nom de Jésus-Christ qu'on aide nous, qu'on guérit nous de toute forme d'infection qui a atteint nous dans le moment ça, au Seigneur. Nous comptons sous et nous prions qu'on anime nous tout Seigneur Dieu avec pensée pour nous prêcher si là qui pour qu'on connaît ou yo, parce que si nous jodi a infecté avec Jean de bagarre ça, le péché infecté nous tout autour de nous, dans famille nous, frères nous, amis nous, tout le monde en côté de nous, sous nous, levez-nous, fais-nous connaître que nous besoin faire l'autre monde qui va côté nous qui est affecté par le péché, qui est affecté et qui peut le voir au côté qui pis mal parce que moun yo, yo pas juste moun qui mourir dans virus qu'il y a juste mourir, mais l'autre monde ça au Seigneur qui est affecté par le péché, yo pas dans l'enfer, il y a mourir éternellement. Seigneur, aidez-nous, ouvrez yeux cœur nous Seigneur. Souquez nous prend moment ça nous connaît que pouvoir pour secouer nous chaque chrétien, nous chaque monde qui pas chrétien tout pour nous connaît côté nous ou du moins ce monde qui peut-être clopant Seigneur, fais-nous comprendre qui est-ce qu'on est dans le nom de Jésus. Seigneur, nous croyons qu'au temps des prières nous croyons qu'on aider nous croyons qu'on accompagner nous croyons qu'on pas quitter parole nous tendez aujourd'hui nous juste aller et puis pour nous oublier n'importe là nous croyons que après dans cœur nous même j'ont aidé David pour rester dans cœur pour pas pécher contre nous même nous comptons sur nous-mêmes. Nous croyons nous-mêmes et nous croyons qu'on tend des paroles nous parce que nous ne prions pas dans qualité de monde qui bon, mais dans nos sauveurs nous, Seigneur nous Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Et nous disposons nous pour les mots de bénédiction. Je vous donne la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, dit le Seigneur. Sur ces paroles que la grâce, la paix de Dieu, repose sur chacun de nous, non seulement pour aujourd'hui, mais pour le temps et pour l'éternité. Allons en paix, que Dieu nous bénisse. Yeah.